Pour moi, si une personne vous aime, elle vous aime pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites. C'est-à-dire qu'elle va vous aimer pour votre personne et non pour le statut que vous pouvez représenter à un instant T, typiquement préparateur mental, préparateur physique ou chef d'entreprise ou tout autre. Et c'est très important ce point-là parce que quand vous cherchez à vous construire, il y a toujours des moments où vous êtes plus disponible et d'autres moments où vous êtes moins disponible. Avec les réseaux sociaux, on est très souvent et même trop souvent sollicité dans la journée pour X ou Y raison. Donc forcément, notre énergie sociale, elle est moindre et qu'il y a des moments, surtout quand on est en période de construction, on va avoir besoin de se recentrer sur nous et sur nos projets. Et si une personne s'énerve ou commence à remettre en question votre relation parce que vous ne pouvez pas lui apporter l'attention qu'elle demande alors que vous êtes dans une optique de vous construire, alors c'est que cette personne a plus d'intérêt à être là pour ce que vous faites et non pour ce que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, il est très important de se prioriser et de mettre de la distance afin de pouvoir grandir dans un espace sain et avec un entourage serein.